Cześć, witamy na kolejnej lekcji języka francuskiego. Salut, najprawdziwszej lekcji. No i cóż, i wtedy zaczynamy. Salut. Alors, on va commencer par la révision de ce qu'on a déjà appris la dernière fois. Alors, on commence par la traduction jour, semaine. On traduit jour. Jour, dzień. Semaine. Semaine, tydzień. On continue avec les jours de la semaine. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On traduit. Lundi, lundi, poniedziałek, mardi, mardi, wtorek, mercredi, mercredi, środa, jeudi, 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 czwartek, vendredi, vendredi, piątek, samedi, samedi, sobota, dimanche, dimanche, niedziela. Exactement, on continue avec la traduction. Avant, avant, przed, après, après, po. On continue avec les questions. Quels sont les jours de la semaine? Les jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Exactement. On continue. Quel jour est avant vendredi? Avant vendredi est mercredi. Non. Vendredi est jeudi. Exactement. Quel jour est entre lundi et mercredi? Et entre lundi et mercredi et mardi. 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 Exactement. Quel jour est après samedi? Après samedi et dimanche. Exactement. Quel jour est entre jeudi et samedi? Entre jeudi et samedi et vendredi. Exactement. On continue avec la traduction. Aujourd'hui. Aujourd'hui, dzisiaj. Exactement. On continue avec les questions. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche? Dimanche, non. Aujourd'hui nous ne sommes pas dimanche, nous sommes samedi. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche? Non, aujourd'hui nous ne sommes pas dimanche, aujourd'hui nous sommes samedi. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui nous sommes samedi. Exactement. On continue avec la traduction. Moi. Moi, moi. Moi, comme le mois. Moi, miesiąc. Année. Année, rok. Anniversaire. Anniversaire, urodziny. Exactement. On continue avec la traduction de mois de l'année. Janvier. Janvier. Janvier, styczeń. Février. Février, luty. Mars. Mars, marzec. Avril. Avril, kwiecień. Mai. Mai, maj. Juin. Juin, lipiec. Juillet. Juillet. Non, juillet, czerwiec. Juillet. Juillet, lipiec. Août. Août, sierpień. Septembre. Septembre, wrzesień. Octobre. Octobre, październik. Novembre. Novembre, listopad. Décembre. Décembre, grudzień. Exactement. On continue avec les questions. Quels sont les mois de l'année? Les mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Exactement. Quel mois est avant juin? Avant juin est mai. Exactement. Quel mois est après mars? Après mars est avril. Avril. Exactement. Quel mois est entre janvier et mars? Entre janvier et mars. Février. Exactement. On continue avec la traduction. Nous sommes en juillet. Nous sommes en juillet. Nous sommes en juillet. Nous sommes en juillet. Nie, że jesteśmy żule, tylko jesteśmy, mamy lipiec. Nous sommes au mois de juillet. Et nous sommes au mois de juillet et mamy lipiec. Quand? Quand jaki? On continue avec les questions. C'est quand ton anniversaire? Et mon anniversaire est
En avril. Est-ce que nous sommes en juillet ou en août? Désolé. Est-ce que nous sommes en mars ou en avril? Et nous sommes en avril. Exactement. C'est quand ton anniversaire? Et mon anniversaire est en avril. Ton anniversaire est en mai ou en avril? Et mon anniversaire est en avril. Exactement. On continue avec la traduction. Saison. Et saison pororoku. Printemps. Printemps diosna. Été. Été lato. Automne. Automne yesheni. Hiver. Hiver jima. On continue avec la traduction. Au printemps. Au printemps diosnam. En été. En été latem. En automne. En automne yeshenium. En hiver. En hiver jima. Exactement. On continue avec les questions. Nous sommes au printemps ou en été? Et nous sommes au printemps. L'automne est avant ou après l'été? Et oui, l'automne est après. Oui, c'est après l'été. Exactement. L'anniversaire de l'échec est en hiver ou au printemps? Et l'anniversaire de l'échec est en printemps. Exactement. Est-ce que nous sommes en mars? Non, nous ne sommes pas en mars, nous sommes en avril. Exactement. Quelles sont les quatre saisons de l'année? Les quatre saisons de l'année sont le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et l'hiver. Exactement. On continue avec la traduction. Le 1er mai. Le 1er mai, 1er mai. Le 2 mars. Le 2 mars, 2 mai. Exactement. On continue avec les questions. Nous sommes le 1er ou le 11 avril? Et nous sommes en 11 avril. Aujourd'hui, nous sommes samedi ou dimanche. Et aujourd'hui, nous sommes samedi. Votre anniversaire est le 2 avril. Et non, mon anniversaire n'est pas le 2 avril. Mon anniversaire est 30 avril. Ton anniversaire est le 30 septembre ou le 30 avril? Et mon anniversaire est au 30 avril. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre. Non, aujourd'hui, nous ne sommes pas le 2 octobre. Nous sommes le 11 avril. Exactement. On continue avec la traduction. Nuit. Et nuit, not. Il fait jour. Il fait jour, robiché jasno. Heure, godzina. On continue avec tes questions. Quand est-ce qu'il fait jour en hiver? En hiver, il fait jour en 7 heures. Quand est-ce qu'il fait jour en été? En été, il fait jour en 8 heures. À 5 heures. Quand est-ce qu'il fait jour en automne? En automne, il fait jour à 6 heures. Quel mois il fait nuit à 8 heures? À 8 heures, il fait nuit. Non. Quel mois il fait nuit à 8 heures? Il fait nuit à 8 heures en décembre. Septembre. C'était tout près. Alors, je vais te donner quelques mots, puis tu peux me demander des questions. Le premier mot, c'est il fait jour. Il fait jour. À quelle heure il fait jour en printemps? Au printemps. Au printemps, il fait jour 8 heures. Le deuxième mot, c'est anniversaire. Et quel est ton anniversaire? C'est quand? 5 ans. Mon anniversaire. 5 ans, ton anniversaire. Mon anniversaire est en décembre. Troisième mot, c'est semaine. Semaine et... Semaine.
Quels sont les jours de semaine? Les jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le quatrième mot. Le 2 mars. Et ton anniversaire est le 2 mars. Mon anniversaire n'est pas le 2 mars. Désolé. Le 2 mars n'est pas mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 4 décembre. On continue avec l'unité 8. Pour la révision, on commence par la traduction des nombres. Alors, on va commencer par traduire les nombres. 11. 11. Et 11, 11. 12. 12, 12. 13. 13, 13. 14. 14, 14. 15. 15, 15. 16. 16, 16. 17. 17, 17. 18. 18, 18. 19. 19, 19. 20. 20, 20. Exactement, on continue avec la traduction. Comptez. Et comptez, liczyć. De A. De A, od do. Jusqu'à. Jusqu'à, aż do. S'il te plaît. S'il te plaît, proszę. S'il vous plaît. S'il vous plaît, proszę pana, panią. Exactement. On continue avec les questions. Comptez jusqu'à 10, s'il te plaît. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactement. Comptez de 8 à 18, s'il te plaît. Et 18. De 8 à 18. Et 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 15, 16, 17, 18. Exactement. Comptez de 12 à 20, s'il vous plaît. Et 20, 13. De 12 à 20. 12. Je peux recommencer la question. 12. Comptez de 12 à 20, s'il vous plaît. Et 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Exactement. On continue avec la traduction des nombres. On commence par 20. 20. 20, 20. 30. 30, 30. Ah non, désolé. Là, c'est 20. 20. 21. 21, 21. 22. 22, 22. 23. 23, 23. 24. 24, 24. 25. 25, 25. 26. 26, 26. 27. 27, 26. 28. 28, 27. 29. Ah, 28, 29, 29. Exactement. On continue la traduction des nombres. Alors, 30. 30, 30. 31. 31, 31. 32. 32, 32. Exactement. 40. 40. 40. 40. 40, 40. 41. 41, 41. 42. 42, 42. 50. 50, 50. 51. 51, 51. 52. 52, 52. 60. 60, 60. 61. 61, 61. 62. 62, 62. 70. 70, 70. 71. 71, 72. 72. 72, 72. 72. Exactement. 80. 80, 80. 81. 81. 81. 81. 82. 82, 82. Exactement. 90. 90, 90. 91. 91,
92 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
Troisième. Troisième. Quatrième. Quatrième. Cinquième. Cinquième. Sixième. Sixième. Septième. Septième. Huitième. Huitième. Neuvième. Neuvième. On continue. Alors, dixième, dixième, onzième, onzième, douzième, douzième, treizième, treizième, quatorzième, quatorzième, quinzième, quinzième, seizième, seizième, dix-septième, dix-septième, dix-huitième, dix-huitième, dix-neuvième, dix-neuvième, vingtième, vingtième, vingt-et-unième, 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 trentième, trentième, trente-et-unième, trente-et-unième, quarantième, quarantième, quarante-et-unième, quarante-et-unième, cinquantième, cinquantième, soixantième, soixantième, soixante-dixième, soixante-dixième, soixante-onzième, soixante-onzième, quatre-vingtième, quatre-vingtième, quatre-vingt-onzième, quatre-vingt-onzième, quatre-vingtième, quatre-vingtième, exactement, centième, centième, millième, millième, un millième, un millième, exactement. On continue avec la traduction. Étage. 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 Pientre. Arrondissement. Arrondissement. Dzielnica. On continue avec la question. Le professeur est au deuxième étage. Non, le professeur n'est pas au deuxième étage. Le professeur est au quatrième étage. Et sur le. Quatrième étage. La tour Eiffel est dans le 7e arrondissement. Oui, la tour Eiffel est dans le 7e arrondissement. Exactement. Est-ce que lundi est le premier jour de la semaine? Et oui, lundi est le premier jour de la semaine. Est-ce que mars est le 3e mois de l'année? Et oui, mars est le 3e mois de l'année. Où habites-tu? J'habite au 7e arrondissement, non? Oui, ou 7e étage. 7e étage. On continue avec la traduction. Place. Place, miste. Nombre. Nombre, numéro. Exercice. Exercice, tchouchane. Exactement. On continue avec les questions. Est-ce que le bureau sont au 10e étage? Non, le bureau ne sont pas au 2e étage. Le bureau sont au 4e étage. Exactement. Où est la place de la chaise? La place de la chaise est derrière la table. Exactement. C'est le 20e étage. Non, ce n'est pas le 20e étage. C'est la 20e étage? Non, ce n'est pas le 20e étage. Exactement. Est-ce que la cantine est au 2e étage? Oui, la cantine est au 2e étage. Exactement. C'est le 7e exercice? Non, ce n'est pas le 7e exercice. Tu habites au numéro 61 de la rue Didot? Non, je n'habite pas au numéro 61. Et j'habite au numéro 6. Exactement. On continue avec la traduction. Fête nationale. Fête nationale, święto. Exactement. On continue avec les questions. Quel est le premier jour du printemps? Le premier jour de le
printemps et 4 et le 21 mars. Exactement. Quel est le jour de la fête nationale de Pologne? Et le jour de la fête nationale de Pologne est 11 novembre. Novembre, exactement. On continue avec la traduction. Écrivain. Écrivain au pissage. Peintre. Peintre malache. Peintre. On continue avec des questions. Est-ce que Picasso est un peintre espagnol du XXe siècle? Oui, Picasso est un peintre espagnol du siècle. Du XXe siècle. Exactement. Est-ce que Victor Hugo est un écrivain français du XIXe siècle? Oui. Non, Victor Hugo n'est pas un écrivain français du XIXe siècle. Exactement. Est-ce que Shakespeare est un écrivain anglais du XVIe siècle? Oui, Shakespeare est l'écrivain anglais du XVIe siècle. Exactement. Alors, je vais te donner quelques mots pour que tu puisses me demander des questions. Le premier mot, c'est fête nationale. Et quelle est la fête nationale de Pologne? La fête nationale de Pologne est le 11 novembre. le deuxième mot, c'est étage. Étage. Quel étage nous sommes? Nous sommes. Nous sommes sur la quatrième étage. Le prochain mot, c'est combien? Combien? Combien coûte la L'aller-retour à Bydgoszcz-Toruń. L'aller-retour de Bydgoszcz à Toruń est 6 zloty. 6 zloty. Alors, le prochain mot, c'est page. Page. Et c'est une page 70. Est-ce que c'est la page 70? Non, ce n'est pas la page 70, c'est la page 31. Le prochain mot est numéro. Et quel est le numéro de ton téléphone? Mon numéro de téléphone est le 501-123-677. On continue. On va commencer un tout nouveau unité. Désolé. On commence d'abord avec la traduction. Alors, je vais répéter les mots. On les répète ensemble pour pouvoir les traduire. On commence. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il y a? On répète. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On traduit. Il y a. Il y a, yes. Il n'y a pas. Il n'y a pas, nie ma, nie znajduje się. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, co to jest? Exactement, je vais lire cette phrase. Qu'est-ce qu'il y a dans ma classe? Dans la classe, il y a un tableau, des tables et des chaises. On continue avec la traduction. On fait la même chose. Je lis, on répète ensemble, puis on peut traduire. Voiture, jardin, arbre, classe. On répète. Voiture, jardin, arbre, classe. On traduit voiture samochód, jardin ogród, arbre drzewo, place
place, place. Mm-hmm. On continue avec des questions. Alors, on va faire ces questions, on peut les répéter pour bien les comprendre. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Sur la table, il y a le livre. En livre. En livre. Mm-hmm. Des livres. Ah, des livres. Des livres. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Dans le jardin, il y a des arbres. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a sur la place? Sur la place, il y a des arbres. Des voitures. Des voitures. Qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Dans la rue, il y a des arbres, voitures. Et deux voitures. Deux voitures. Exactement. Est-ce que sur la table, il y a des livres? Oui, sur la table, il y a des livres. Exactement. Est-ce que dans la chambre, il y a une table? Oui, dans la chambre, il y a une table. Exactement. Est-ce que dans la rue, il y a des voitures? Oui, dans la rue, il y a des voitures. Mm-hmm. Est-ce que dans le jardin, il y a cinq enfants? Cinq enfants? Cinq enfants. Enfants? Mm-hmm. Mm-hmm. Enfant, enfant. Enfant, ah, enfant. Non, oui, enfant. Oui, dans le jardin, il y a des enfants. Mm-hmm. Exactement. On répète les questions. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Sur la table, il y a des livres. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Dans le jardin, il y a des... Le jardin. Dans le jardin, il y a des arbres. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Sur la table, il y a des livres. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a sur la place? Sur la place, il y a deux voitures. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Dans la rue, il y a des voitures. Mm-hmm. Des arbres. Des arbres et... Des enfants. Exactement. Est-ce que sur la table, il y a des livres? Oui, sur la table, il y a des livres. Mm-hmm. Est-ce que dans la chambre, il y a une table? Je répète. Est-ce que dans la chambre, il y a une table? Oui, dans la table. Dans la chambre, il y a une table. Exactement. Est-ce que dans la rue, il y a des voitures? Oui, dans la rue, il y a des voitures. Exactement. Est-ce que dans le jardin, il y a cinq enfants? Oui, dans le jardin. Dans le jardin, il y a cinq les enfants. Cinq enfants. Cinq enfants. Exactement. On continue avec la traduction. C'est cessant. On répète. C'est cessant. Cessant. On traduit, c'est... C'est... Yes. Mm-hmm. C'est son... C'est son... Son. Mm-hmm. Exactement. C'est son... C'est son... Son. Ok. Alors, je vais lire quelques phrases pour utiliser les mots qu'on vient de traduire. Dans la rue, il y a une voiture. C'est une Mercedes. Dans la chambre, il y a un homme. C'est Pierre. Sur la place, il y a des enfants. Ce sont les enfants de Marie. Qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Dans la rue, il y a des voitures. Ce sont des voitures françaises. Mmh. On continue avec la traduction. Fleuve, parc, parc d'attractions. On répète. Fleuve. Fleuve. Parc. Parc. Parc d'attractions. Parc d'attractions. Mmh. On traduit fleuve. Fleuve Jacquin. Parc. 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 Parc d'attraction. Parc d'attraction. Parc Rozrivki. Exactement. Est-ce qu'il y a une fleuve? On continue avec les questions. Est-ce qu'il y a un fleuve à Paris? Oui, il y a une fleuve. Un fleuve à Paris. C'est la Seine. C'est la Seine. Exactement. Est-ce qu'il y a un parc à Varsovie? Oui, il y a un parc à Varsovie. C'est le parc? C'est le parc Łazienki. Exactement. Est-ce qu'il y a un parc à Londres? Oui, il y a un parc à Londres, c'est Hyde Park. Exactement. Est-ce qu'il y a un parc d'attractions à côté de Paris? Et oui, il y a un parc d'attractions à côté de Paris, c'est Disney Park.
Oui, exactement. Euro Disney ou Disney Park. On répète les questions pour bien les comprendre. Est-ce qu'il y a un fleuve à Paris? Oui, il y a un fleuve à Paris. Un fleuve. Un fleuve à Paris, c'est la Seine. Est-ce qu'il y a un parc à Varsovie? Oui, il y a un parc à Varsovie, c'est Łazienki. Exactement. Est-ce qu'il y a un parc à Londres? Oui, c'est un parc à Londres. Oui, il y a un parc. Oui, il y a un parc à Londres, c'est Hyde Park. Exactement. Est-ce qu'il y a un parc d'attractions à côté de Paris? Oui, il y a un parc d'attractions à côté de Paris, c'est Euro Disney. Exactement. On continue avec la traduction. Volcan, montagne, pyramide, photo. On répète. Volcan. Montagne. Pyramide. Exactement. Photo. On traduit volcan. Volcan. Montagne. Gura. Pyramide. Pyramida. Photo. Photo zdjęcie. Exactement. On continue avec des questions. Est-ce qu'en Égypte il y a des pyramides? Et oui, en Égypte il y a des pyramides. Exactement. Est-ce qu'au Japon il y a des volcans? Et non, ah oui, en Japon il y a deux volcans. Exactement. Est-ce qu'il y a des montagnes en France? Oui, il y a des montagnes en France. Est-ce que dans la chambre il y a des photos? Et oui, dans la chambre il y a des photos. Exactement. On répète la question pour bien le comprendre. Est-ce qu'en Égypte il y a des pyramides? Et oui, en Égypte il y a des pyramides. Est-ce qu'au Japon il y a des volcans? Oui, en Japon, il y a deux volcans. Est-ce qu'il y a des montagnes en France? Et oui, il y a des montagnes en France. Est-ce que dans la chambre, il y a des photos? Et oui, dans la chambre, il y a des photos. Exactement. On continue avec la traduction. Match, message, libre, pour moi. On répète. Match. Message. Libre. Pour. Pour moi. On traduit match. Match. Message. Message, wiadomość. Libre. Libre, wolne. Pour. Pour, dla. Pour moi. Pour moi, dla mnie. On continue avec les questions. Est-ce qu'il y a un match à la télé? Et oui, il y a un match à la télé. Est-ce qu'il y a un message pour moi? Oui, il y a un message pour toi. Exactement. Est-ce qu'il y a des chambres libres? Et oui, il y a des chambres libres. Est-ce qu'il y a des places libres? Oui, il y a des places libres. Est-ce qu'il y a des messages pour nous? Et oui, il y a un message pour nous. Je répète la question. Est-ce qu'il y a des messages pour nous? Oui, il y a des messages pour vous. Exactement. Est-ce qu'il y a une cantine à l'école? Et non, il n'y a pas une cantine à l'école. Une cantine à l'école. On répète les questions pour bien les comprendre. Est-ce qu'il y a un match à la télé? Oui, il y a un match à la télé. Est-ce qu'il y a un message pour moi? Oui, il y a un message pour toi. Est-ce qu'il y a des chambres libres? Et non, il n'y a pas de chambres libres. Est-ce qu'il y a des places libres? Et oui, il y a des places libres. Est-ce qu'il y a des messages pour nous? Et oui, il y a un message pour vous. Est-ce qu'il y a une cantine à l'école? Non, il n'y a pas une cantine à l'école. On continue avec la traduction. Cours, courrier, ordinateur, problème, monument. On répète. Cours. Courrier. Ordinateur. Problème. Monument. On traduit. Course. Courrier. Courrier, pochta.
Ordinateur, computer. Problème. Monument et pomnik. Exactement. On continue avec tes questions. Est-ce qu'il y a des cours de français? Et oui, il y a des cours de français. Est-ce qu'il y a du courrier pour moi? Et oui, il y a une courrière pour toi. Est-ce qu'il y a des ordinateurs à l'école? Oui, il y a des ordinateurs à l'école. Exactement. Est-ce qu'il y a des enfants dans la classe? Et non, il n'y a pas des enfants à la classe. Dans la classe. Est-ce que sur la photo, il y a des pyramides? Et non, sur la photo, il n'y a pas de pyramide. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans le cartable? Dans le cartable, il y a Pierre. Il y a deux? Pierre? Oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a dans la classe? Dans la classe, il y a des chaises et un tableau. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Sur la table, il y a des livres. Est-ce que le cartable de Paul est dans la voiture? Et oui, le cartable de Paul, il y a est dans la voiture. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans une bibliothèque? Dans une bibliothèque, il y a des livres. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans une cantine? Dans une cantine, il y a des enfants. Exactement. Est-ce que à Varsovie, il y a une fleuve? Un fleuve? Et oui, à Varsovie, il y a un fleuve. Est-ce que dans la rue, il y a une voiture? Et oui, dans la rue, il y a une voiture. Est-ce que sur la place, il y a un monument? Oui, sur la place, il y a un monument. Exactement. On répète ces questions pour bien les comprendre. Est-ce qu'il y a des cours de français? Oui, il y a des cours de français. Est-ce qu'il y a du courrier pour moi? Et non, il n'y a pas un courrier pour toi. De courrier pour toi. Est-ce qu'il y a des ordinateurs à l'école? Oui, il y a des ordinateurs à l'école. Exactement. Est-ce qu'il y a des enfants dans la classe? Et non, il n'y a pas des enfants dans la classe. Est-ce que sur la photo, il y a des pyramides? Et oui, sur la photo, il y a des pyramides. Qu'est-ce qu'il y a dans le cartable? Dans le cartable, il y a des livres. Qu'est-ce qu'il y a dans la classe? Dans la classe, il y a la table, la chaise. La table. Et les chaises. La table et les chaises. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Sur la table, il y a des livres. Est-ce que le cartable de Paul est dans la voiture? Oui, le cartable de Paul, il y a... Dans la voiture. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans une bibliothèque? Dans une bibliothèque, il y a des livres. Qu'est-ce qu'il y a dans une cantine? Dans une cantine, il y a les enfants. Est-ce qu'à Varsovie, il y a un fleuve? Oui, en Varsovie, il y a... À Varsovie, il y a un fleuve. Est-ce que dans la rue, il y a une voiture? Oui, dans la rue, il y a une voiture. Est-ce que sur la place, il y a un monument? Oui, sur la place, il y a un monument. Exactement. Ok, je vais te donner quelques mots pour que tu puisses me demander des questions. Et puis, on va continuer avec lecture. Alors, le premier mot, c'est monument. Et monument. Et est-ce que...
qu'un monument... Est-ce qu'il y a un monument à bête gauche? Oui, il y a un monument à bête gauche. Le prochain mont est pour moi. Et est-ce qu'une courrier pour moi? Est-ce qu'il y a un courrier pour moi? Non, il n'y a pas un courrier pour toi. Le prochain mot est message. Est-ce qu'il y a un message pour moi? Oui, il y a un message pour toi. Le prochain mot est parc d'attraction. Mais est-ce qu'il y a un parc d'attraction? Et à côté de Paris? Oui, il y a un parc d'attractions à côté de Paris, c'est Euro Disney. Alors, on continue avec lecture de l'unité 4. Et qu'est-ce que c'est, chaise, table, livre, tableau? Et qu'est-ce que c'est un livre? Qu'est-ce que c'est une chaise? Est-ce que c'est une table? Oui, c'est une table. Est-ce que c'est un tableau? Oui, c'est un tableau. Fenêtre, porte, cahier, page, stylo, crayon. Et est-ce que c'est son? Est-ce que c'est une fenêtre? Oui, c'est une fenêtre. Est-ce que c'est un cahier? Non, ce n'est pas un cahier, c'est un livre. Est-ce que ce sont des stylos? Oui, ce sont des stylos. Est-ce que ce sont des portes? Non, ce ne sont pas des portes, ce sont des fenêtres. Est-ce que ce sont des chaises? Non, ce ne sont pas des chaises, ce sont des tables. Bureau, lampe, dictionnaire, clé. Qu'est-ce que c'est? C'est une clé. Est-ce que c'est une lampe? Oui, c'est une lampe. Est-ce que ce sont des dictionnaires? Non, ce ne sont pas des dictionnaires, ce sont des livres. Est-ce que c'est un bureau? Non, ce n'est pas un bureau, c'est une table. Est-ce que ce sont des stylos? Non, ce ne sont pas des stylos, ce sont des crayons. Et ouvert, ouverte, fermé, fermé. Et est-ce que la porte est ouverte? La porte ouverte? Oui, la porte est ouverte. Est-ce que la fenêtre est ouverte? Non, la fenêtre n'est pas ouverte, la fenêtre est fermée. Est-ce que le dictionnaire est fermé? Oui, le dictionnaire est fermé. Est-ce que le livre est ouvert? Et oui, non, le livre n'est pas ouvert, le livre est fermé. Août, Bahamas, Tour Eiffel, Océan Atlantique, maison, magasin. Est-ce que le magasin est grand? Oui, le magasin est grand. Est-ce que l'océan Atlantique est petit? Non, l'océan Atlantique n'est pas petit, l'océan Atlantique est grand. Est-ce que la maison de Paul est fermée? Oui, la maison du pôle est fermée. Est-ce que la tour Eiffel est basse? Et non, la tour Eiffel n'est pas basse, la tour Eiffel est haute. Est-ce que le bureau est haut? Et non, le bureau n'est pas haut, le bureau est bas. Et sur. Est-ce que la clé est sur la table? Oui, la clé est sur la table. Est-ce que ce sont des bureaux? Non, ce ne sont pas des bureaux, ce sont des tables. Où sont les dictionnaires? Les dictionnaires sont sur la chaise.
Et où est-ce que le stylo est sur la table ou sous la chaise? Le stylo est sur la table. Est-ce que la tour Eiffel est à Paris ou à Londres? La tour Eiffel est à Paris. Est-ce que ce sont des livres ou des cahiers? Ce sont des livres. Est-ce que c'est un crayon ou un stylo? C'est un crayon. Alors, je vais te demander quelques questions qui sont un peu en utilisant les mêmes questions que tu viens de lire pour voir comment tu vas répondre. Alors, la première question est, est-ce que c'est ton téléphone? Oui, c'est un téléphone. Exactement. Est-ce que ce sont des stylos? Non, ce sont des crayons. Est-ce que c'est un bureau ou une chambre? Et c'est une chambre. On continue. Où sont les cahiers? Où sont les stylos et les crayons? Et les stylos et des crayons. Et les crayons. Et les crayons sont sur la table. Exactement. On la trousse. Dans la trousse, oui. Est-ce que ce sont des pages ou des livres? Et ce sont des pages. Exactement. Alors c'est tout pour moi. Merci pour ton attention. Ok, merci. Salut et do zobaczenia następnym razem. Salut.